Derrière moi, c'est Bouddha. Et ici, c'est Pest. Première image de la Hongrie, c'est que ce parlement est magnifique et gigantesque. En fait, il est récent, il a été construit en 1902 quand l'Empire austro-hongrois était lui aussi gigantesque. Et aujourd'hui, la Hongrie est toute petite, du coup ils ont besoin que d'un huitième de toute la place de ce parlement pour rédiger les lois et diriger ce pays. Sur le parlement, il flotte le drapeau de la Hongrie, celui de la Transylvanie, mais pas celui de l'Union européenne. Je suis dans un marché et ça tombe très bien parce que je meurs de faim, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin et il est quasiment 11h30. Alors je viens d'acheter mon repas dans cette cantine, regardez ce que j'ai acheté, je ne sais pas ce que c'est. On va manger un morceau, donc là il y a une couche de pommes de terre, une couche de poulet, une couche de crème fraîche et une couche de fromage. C'est trop bon. Je peux pas aller aux toilettes parce que j'ai pas encore de pièces de monnaie. Du coup ça va être long avant d'arriver à l'hôtel. Cette église n'a que 100 ans, comme presque tout ici à Budapest. J'ai pris un ascenseur pour monter tout en haut de la tour et regardez l'intérieur, c'est trop mignon, c'est en briques partout. En fait, comme dans les cathédrales en France, il y a un double toit. Il y a le dôme et le vrai toit. Le panorama sur Budapest, ou sur Buda, ou sur Pest, j'en sais rien en fait. La vue sur Pest est magnifique. En fait, on n'est ni trop haut ni trop bas, on arrive à voir les détails et en même temps à voir beaucoup de choses parce qu'on est quand même suffisamment haut. C'est vraiment la distance parfaite. Je suis sur le pont de chêne qui surplombe le Danube. Je suis dans le quartier juif de Budapest et je suis devant la deuxième plus grande synagogue du monde. Très impressionnante. En plus, c'est la première synagogue que je vois qui est une vraie synagogue de quartier dans laquelle les juifs vont vraiment. Qui est apparemment le meilleur glacier de tout Budapest et voilà la glace. On croirait une rose, c'est juste magnifique. Alors elle est à l'extérieur c'est citron, au milieu c'est kiwi banane et au centre c'est framboise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.